Je suis joyeux comme un gamin, c'est type abo. Je suis effrayé par le calendrier, on est déjà à la mi-avril. C'est un scandale! Alors, attendez, faut que je retrouve mon chat. Est-ce qu'il est opérationnel, mon chat? Enfin, Wisebot, le robot, surtout. Apparemment, tout fonctionne. Bonjour à toutes et toutes, j'espère que vous allez bien. Moi, forcément, la pêche. Contemple, aux as, j'ai envie de dire, la forme, la santé. Tout joyeux d'avoir 48 heures de joujou. Je suis même, avec un petit bonus de joyeuseté encore, l'idée de me dire qu'on va enchaîner 2 jours de suite les épisodes commentés avec FunFan. Et puis que j'ai trouvé à l'arrache, pour ceux qui ont suivi FunFan hier en direct sur sa chaîne, j'ai trouvé la biographie de Charles Cécile que j'ai pu traduire en français. Et bonjour Lara Smoquette, j'espère que tu vas bien. Du coup, ça, ce que j'ai fait à l'arrache hier en culture vidéoludique, j'aurais joie de vous le dire sur l'antenne de FunFan cet après-midi. On se retrouve à 15h chez FunFan tout à l'heure. Où il va finir son jeu d'aventure, et moi je vais me faire une joie de vous lire la biographie de ce garçon. Charles Cécile, voilà, qui a fondé la boîte, qui a créé le jeu, là, qui a publié le jeu. Enfin, je vous redirai ça tout à l'heure. Ouais, ça va, c'est cool. Bon, bah c'est bien, bon, moi je suis en joie, je sais que je vais m'éclater dans le jeu, je suis en forme, j'ai bien bossé hier, en plus j'ai la satisfaction du boulot bien fait. Parce que contrairement à ce que j'avais annoncé précédemment, j'ai pas diffusé hier. J'ai préféré, comme il y avait du beau temps alors que je m'attendais à du mauvais temps, ça m'a motivé à faire mon ménage de printemps. Donc, c'est bien, je suis content, j'ai bien bossé, j'ai fait même ma popote le soir, je suis préparé plein de plats à l'avance, donc j'ai plus qu'à déguster du week-end. J'ai plus rien à préparer du week-end. C'est bien, j'ai optimisé mon temps de diffusion Twitch. Je vais quasiment vous faire du 9h, 20h, 21h non-stop, quasiment. Demain et aujourd'hui, donc c'est la fête. Tiens, j'ai oublié de mettre mon chapeau de foufou. Voilà, allez, on va se lancer dans les suites des aventures de Crane dans Dying Light. On découvre la deuxième partie de la ville, là, qui est superbe, le côté bourgeois où j'ai tout à y faire. Je saurais plus où gambader ou aller. Attendez, y va, je lance. Ah, joue. J'ai même mes biscuits à croquer en petit déj, j'ai toujours rien croqué. Vieille ville, voilà. Ça mérite d'être clair. Fontaine, rétablir la circulation d'eau. C'est la première fois que j'ai des instructions de mission si courtes. La dernière fois, j'avais un pavé de 5 lignes à lire. J'ai mon glouglou. Je suis. J'ai tout. J'ai des périphériques de jeu. Non, je suis bien. C'est cool. On se lance. C'est parti, mon kéké. Ah, chose qui pourrait intéresser la race moquette. Sur mon antenne, normalement, je me permets de te rappeler que le samedi soir, enfin samedi en fin de journée, je fais des bibis, le Marble on Stream. Donc aux environs de 19h, normalement, il y aura bibis sur mon antenne. Peut-être un peu avant, peut-être un peu après. Je varie en fonction de ce que j'ai fait dans la journée. Je sais que t'es une aficionados de la discipline. Hic padion. Ce truc qui m'empêche de marcher sur le toit, c'est scandaleux. Alors, mission première dans cette nouvelle partie de la ville. Il va falloir que je me déverrouille les planques. Les petites maisons rouges vont devoir devenir des maisons vertes. Niaf, niaf, niaf. Ouais. Ce qui va me faciliter la tâche pour toutes les futures missions. Ouais, si j'ai le grappin en option. Popopo. La vache, le nombre de zombies sur les toits. Les zombies. Oh là là, il y a encore une Rix avec une défenestration. Quelle horreur. Ce serait par là-bas? Je serais par là-bas. Oui. Ma chaîne est 18 plus. Vous avez vu la violence du carnage.
C'est violent, il n'y a pas d'autre mot. Oh la vache. Je peux quasiment passer partout. Ah non, c'est comme ça le grappin. Oh yeah. J'aurai une planque vers là-bas. Là-bas, tidadidadidada. Hop là! Oh! Ah, c'est pas con les panneaux solaires avec. C'est pas con du tout. Ah oui, il faut que je me méfie ici dans ce quartier, il y a des. Il y a des zombies qui tombent des toits, il y en a plein les toits là. Ça change la donne, c'est impressionnant. Oh la vache, le carnage à faire en bas dans la place publique, ça fait peur. Ça fait peur, ayez peur. Ah bah voilà. Quand je parlais des zombies. La 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 la. Oh, c'était proche là, la défenestration. Violence! La cheminée va me sauver. Batman! Allez, descends! Merde! C'est horrible, je vais le pousser en dehors du toit. Sympa la girouette. Oh là, il y a autant de vent que ça? Voilà the wind to be free again. Voilà the wind to be free again. Pa, 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 da, da. Oh. C'est un humain ou c'est un humain. Gentil ou méchant? T'es qui, toi? Alors écoute-moi bien, fiston. Tu crois que ces mordeurs là-dehors sont dangereux? Ah. D'accord, il s'est tué tout seul comme un grand. Magnifique. Bon, il y a une planque toute proche là, il faut que je la nettoie. Oh. Bonjour madame, au revoir madame. La 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 la. Là c'était giga proche. Ah, c'était une excitée, d'accord, qui m'a repéré. Ok, tout va bien. Oh oh. Ah. Je l'ai achevé, le vilain. C'est vrai que j'ai pas la barre de vie à fond. Chevrolet. Chevrolet. Qui danse. Voilà, on n'en parle plus. Ta-da-ta-ta-da. Quoi? Ah, de la bouffe, food. Foodie, foodie, food. Oh. Alors, les journaux. Les journaux, les documents, et il y a vraiment à lire. J'avais vérifié dans les menus hors antenne. Je vous les lirai lors d'un épisode spécial vers la fin du jeu, quand j'aurai quasiment tout récolté. Je pense vraiment que je vais faire un épisode spécial sur YouTube où je vais être lecteur et on aura davantage de narration par rapport à l'histoire, quoi, la pandémie à Arran. Exidera. Oh, une photo de Maui à Dieu. Si c'est pas beau ça. On va virer les cadavres, hein, de la planque, parce que...
Ah merde. Ah bah j'aurais du vent et de la flotte à volonté là, avec la fenêtre pétée. Là là. Désactiver la radio. Ouais. Surtout que ce qui diffuse, c'est nul. Ce qui diffuse, c'est nul. C'est nulos. Et pas mal les petits carrelages de faïence au mur de la cuisine. Pas mal, pas mal. Ah, ça par contre, ça fait entreprise. Le faux plafond avec... Là oui, là en parquet, d'accord, mais le plafond en 1. Franchement, là, c'est d'un mauvais goût. Même moi, en général, qui aime bien les décos d'entreprise, là, je trouve que c'est très mal de le agencer. C'est une fausse bonne idée, là, qu'ils ont faite. Alors, crochetage intermédiaire. Appelez-moi Valérie D'Amido. Ah oui. Ah. Je vais pouvoir rétablir le courant, je crois. Mais où sont les fusibles? Mais non, mais ne me dis pas que je vais garder cet horrible cadavre dans ma planque. C'est atroce. Oh là 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 là. Le survivant est mort. Oui, bah voilà. Paix à son âme. Le survivant est mort. Alors, prochaine planque à libérer. La prochaine planque, elle est à côté. La prochaine planque. Hop là. Oh oh oh. C'est large. Attends. Oh oh là, je me jette dans le vide. C'est un panneau. Merde. Déjà, j'étais un malin parce que je vais exciter plus d'un zombard. Attendez, je vais passer par là-bas. Hop là. Hop. Merci des sacs de béton. Tiens, tiens. Il y a une chicha. La la la. Ah, c'est un écran de télé carrément. Oh là là. Celui. Oh, très difficile. Mais que dissimule ce coffre? Le suspense est à son comble. Ah bah. C'est beau, j'aime bien le parc. Putain la vache. Mais je me demande, je sais pas s'il y a un mode pacifié. Je veux dire que le boulot de modélisation est tel que j'adorerais déambuler dans la ville d'Aran, là, des deux parties. Surtout celle-là, évidemment, c'est la plus belle, la plus noble. C'est les quartiers bourgeois, là, la vieille ville. Sans qu'il y ait de zombies, quoi, que je puisse vraiment en mode touriste visiter tout partout, c'est superbe, c'est absolument superbe. La prochaine planque, elle est là-bas, de l'autre côté de la place. Merdome. Attends, est-ce que je peux. Voilà, j'ai pas besoin du grappin. Qu'est-ce qu'ils ont écrit là?
Ah, de la flotte, ouais. De l'eau et de la bouffe. Et je l'ai eu, ah je l'ai eu. Ouch. Ouch, ouch, ouch. Oh, elle se relève. J'hallucine. Incroyable. Eh ben dis donc. Papa, papa, la papa. Eh B. Voilà. Alors attends, ça se passe comment? Ah, de l'autre côté, il y a une rue. Mmh. Ah, il y a des canaux. Ah, elle arrive à me rejoindre, la vilaine. Comment qu'elle est parvenue à me rejoindre, la vilaine? Oh! Ouais, alors, bon. Si elle bouge pas... Allez, je lui offre une balle. Elle bouge. Merde. Ah bah, elle m'a repéré. Voilà. Alors, hop, on repasse aux étages supérieurs. Donc, je disais que c'était quelque part par là-bas. Ah, c'est un hôtel là-bas. Là-bas, c'est une statue apparemment que je vois au loin. Je sais pas si mon grappin sera serait. Là, c'est bien. Waouh. Eh B. Ah, une excitée. Hop, on n'en parle plus. Alors. Nickel. Oh la vache, le nombre de zombies sur les toits. Oh, c'est bon, on commence à voir la campagne là-bas au loin. C'est beau. On dirait qu'il y a un phare là-bas au loin. Je sais pas si vous le voyez, on dirait vraiment qu'il y a un phare. Pa 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 la pa pa. Da di da. Di do do. Hop là. Mm-hmm. Et bien. Hop. Ah, 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 ah. J'aime bien la configuration des ruelles. Oups, doucement. Le dit appart serait là-haut. D'accord. Ah oui, ce serait ici en fait. La planque serait là. Alors, comment on y accède? Ce serait par où? Ah, il y a un drapeau. Mm-hmm. Vache! Des barbelés? Ah. Waouh! Les barbelés, je vais pas pouvoir négocier n'importe comment parce que. Attends, c'est quoi ce délire? Ah d'accord. Vache. Ah, c'était la statue. Je l'ai même pas vue. Heureusement que j'ai vu l'intitulé statue parce que mes yeux
examiner, comment ça? Oi, j'ai vu une affiche qui parle d'une sorte de défi. T'en as déjà entendu parler? Troy, tu me reçois? Ah. Troy est trop loin, mon ami. Mais je peux t'expliquer ces défis, si tu veux. Je m'appelle Bozak, et mes défis sont affichés partout en ville. Lis ce qu'on demande de faire, et fais-le. À la fin, tu recevras une récompense. Tu sais vraiment pas quoi faire de tes journées. J'ai mes raisons, comme tu as les tiennes, de relever ces défis. Je me trompe. L'homme est-il en haut de la chaîne alimentaire? Bozak veut en être sûr, tu vas partir à la chasse aux rapaces. Non. Aux rapaces? Disponible de nuit, oui, bah tu m'étonnes. Non, 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 il est fou lui, rapace. Je vais me faire déboîter. Bon, alors la planque, elle est toute proche. Mais j'y accède toujours pas. La question est pourquoi ça doit être en contrebas. Faut que je fasse gaffe aux barbelés parce qu'il y en a pas mal. Oui, il y a même presque ça. Voilà, je suis en train de m'écorcher vif. Comment on fait pour rentrer dans la... Non, c'est cette terrasse? Vous êtes sérieux, les gens? Ah ouais? C'est cette terrasse qui est considérée comme un endroit sûr? Bah dis donc. Avec justement les 10 rapaces, j'en doute. J'en doute. Oh là 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 là, le merdier. Ouais, j'ai excité des zombards en contrebas. Ah oui, forcément, il y en a qui veulent me rejoindre. Ah, elle est maligne, elle. Elle est maligne. Oh, ça fait longtemps que je l'ai pas fait, là. Ça mériterait un chiki-boom kaboom. Au moins ça les a distraits. Bon, bref. Alors, la porte fermée, oui, j'accepte l'idée de la planque. Et encore, je foutrais une armoire dessus. Oh, le zouk qu'il y a par ici. Oh, la place est énorme. Ah, il y a une statue à collectionner. Oh, oh. Nous avons un vomito qui m'a repéré. Oh là 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 là, ça craint. Ça craint du boudin. Il est passé par là-bas, le vomito. C'est bon, on entend les cloches dans la ville. Je sais pas. Non, je pense pas que je l'aurai là. Si. Non, non, je l'ai pas eu. Voilà. Attends. Ah bah. La bonne blague. Ouais, mais personne d'autre. Non. On n'aura pas accès aux cuisines. La porte est bloquée. Enfin, du moins, on n'est pas invité à y aller. Ah. Les sanitaires. Coucou. Bonjour, Twinsen. J'espère que ça va bien. Tu vois, je suis en train de m'éclater sur mon jeu favori du moment qui est Dying Light. C'est un bar à chicha, j'ai l'impression, là. Je sais pas, faut que je regarde à deux fois. Mais oui, mais non, mais c'est ça. Deux salles, deux ambiances. Pff.
Ah bah, il y a encore la promo de Scorpio. Elle est partout en ville, la Miss. Ah, quelle tristesse. Quelle tristesse. Oui, donc j'ai ramassé la statuette. Ou pas. Oui, sinon je l'ai fait. Quoique non, c'était peut-être en haut d'ailleurs. Ça y est, j'ai déjà pu. Non, c'était en haut et je l'ai pas fait. Oui, elle est là. On la voit, la statuette. Burp. La figurine de zombie. Ah! Les textures pour les alcools. Là, là, là. Oh, on a retrouvé le thermostat. On l'avait furtivement sur le mur. Ah, j'ai pas accès à mon bagage. Hein. Ça veut dire qu'il y a encore un zombie quelque part. Ou il y a quelque chose que j'ai pas sécurisé. Ah, là en face. Ah, voilà. Oh, ils ont des thermostats partout au niveau des murs. Ah oui, il faut... Tellement drôle. Tellement tentant. Oh merde, il vient vers moi ce con. Ah. Eh ben... Oh, j'ai un excité à côté. J'avais. La vache, c'est la réserve. Donc là, c'est condamné. Ah, je suis... Ah oui, d'accord. Faut que je rétablisse le courant et c'est bon. Ouais, bah ça tombe bien que ce soit la nuit qui tombe. Comme je suis dans la planque, je vais pouvoir passer la nuit peinard pépouze. Il ne m'accorde pas encore la planque, pourquoi? Bah les deux, je m'éclate et j'éclate mon cher Tunsen, mais pourquoi la planque m'est-elle pas encore accordée? Quel est le truc que j'ai pas sécurisé? On sait grand, hein. Ça là-dessus, on va pas se voiler la face. Je crois que c'est ma plus grande planque jusqu'à maintenant. Il y a les lampions asiatiques là. Bah oui, là c'est la nuit. Alors la terrasse, je te dis pas la prise de risque. Je suis vraiment surpris qu'avec la terrasse, il y ait une autorisation de déclarer l'endroit comme étant une planque. Parce que les rapaces peuvent venir à n'importe quel moment me démonter. Ah oui, et puis on est assez bas. Hein. Le premier étage, faut arrêter la déconnade. Même les zombies viennent des toits maintenant dans ce quartier. Alors là, franchement, je piche pas. Mmh.
Oula, j'aurais un rapace dans mes... Non, pas dans mon local. Attends, qui c'est que ce merdier? La radio, si c'est pour diffuser de la neige, là c'est pas la peine. Hein, quoi? Hein? Elle, on est d'accord, elle est morte. Burke. Elle fait peur. Pourquoi la planque est pas considérée comme certaines? J'ai tué tous les zombards, non? Je dois avoir un objet à pousser, c'est pas possible. Mais où? Là, c'est bien... C'est pas les chiottes. Les chiottes, il n'y a pas plus sécurisé, là, pour le coup. Comme c'est bien muré, il n'y a pas de sortie de secours. Je comprends pas, c'est pas... Non, c'est les murs. Oh là 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 là. Bizarre. Je vais tourner en rond toute la nuit dans la planque sans jamais trouver le truc qui manque. Nettoyer le secteur. Bah oui, mais tout le monde est mort. Y a plus de zombies, je comprends pas. Lui, il est quick. N'oublie pas que c'est la nana sur son canapé qui est pas... C'est horrible ce que je vais faire, mais je vais provoquer un départ d'incendie. Je vais flamber la madame. Oh, ça fait un éclairage magnifique. Dommage que ça dure pas. Non, mais non, c'est pas elle. Bah merde alors. Alors attends, là où la... Ouais, là où c'est pété... Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Là, on est d'accord, j'ai bien poussé l'armoire. Je pige pas. Je pige absolument pas. Là, il n'y a rien. Voilà, mon sentiment c'est la terrasse. La terrasse c'est un truc qui cloche. Comment je fais pour barricader la foutue terrasse? Ça, j'aimerais bien le savoir. J'ai pas d'armoire, j'ai pas de... Comment je procède? Oh, ça y est, il pleut comme vache qui pisse, comme quasiment toutes les nuits à Arran. D'ailleurs, c'est ce qu'il nous faudrait, nous, en vrai, au niveau des nappes phréatiques. Une bonne averse toutes les nuits. Oula, ça fait bizarre avec les feux de cheminée. Merde, alors. Oula, il y a un truc à faire sur le toit, si je... Je pige pas, c'est trop bizarre. Il y a une faille au niveau du toit que j'aurais pas vu. Pourquoi il m'accorde pas la planque? Ah! Difficile. Oh, il doit y avoir un beau truc là-dedans.
Cool. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ça correspond pas à la... Non, ça correspond pas. Oui, je sais, tu m'as vu, t'es contente. Allez, Pan, t'es morte. Ah non, c'est pas en lien avec la... Ah bah tiens, on voit l'armoire que j'ai poussée au niveau de ma planque. Mais en dehors de ça... C'est sur les deux étages là, mais j'ai pas de... Ah, là peut-être. Ah non. Non, la porte est condamnée. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Là, je suis en partie sur la... Ah, la nuit est passée, j'ai pas sécurisé ma planque. Ridicule. Ridicule. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Bonjour la Jed, ce jeu est très très scripté et beaucoup de difficultés artificielles quand même, je suis en train de le tester. Hein? Mais je comprends pas le coup de la planque là. Pourquoi elle est pas... Elle m'a pas... Mince, je me suis fait bobo. Pourquoi elle m'a pas été accordée? Là je piche pas, tu vois. Parce que pour moi, j'ai fait le job. Je comprends pas. Attends, je retombe dedans, mais... Un bug, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut que je m'acharne sur les cadavres des zombies pour... Je veux bien, ça va pas être joli joli, mais... Quand que là, tu me diras, il m'a viré quelques cadavres. Donc, il ne doit plus rester grand monde. Lui, il n'est pas considéré comme mort. Il est dur comme de la pierre. Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Oh là 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 là. Lui, il est cuit aussi, complètement. Oui, là, je peux rien y faire. Lui, c'est mouru. Ils sont complètement éventrés. C'est un carnage. Il n'y a pas d'autre mot. Quel est le comment du pourquoi? Ou alors, c'est la deuxième condition, celle de l'électricité qui est pas honorée. Mais alors, où est le truc que j'aurais zappé au niveau panneau de commande disjoncteur. Peut-être au vestiaire, mais bon. Oui, bah je peux fermer la porte. Si ça me chante, ça changera rien. Ça changera que puique. Là, les vestiaires, il n'y a rien du tout. Ouais, je veux la planque déverrouillée, bordelum. Stratégiquement, j'en ai besoin. Sinon, tant pis, je l'abandonne temporairement. Puis quand je serai de passage... Est-ce que je vais, par lucidité, par accident heureux, trouver le truc qui me manque? C'est pas là, c'est débile, là, c'est pour spioter. Je comprends pas. Je vais me barrer parce que ça me gave.
le fait qu'il m'ait pas accordé la planque, je comprends pas. Bon, allez, hop, je coupe la lampe, histoire de pas me faire repérer par 50 000 zombies. Prochaine planque, tant pis, je reverrai une autre fois. Ah bah, il y en a une toute proche. Ah, c'est ça que je prenais pour l'hôpital. J'ai mis avec des grandes baies vitrées. Est-ce que c'est pas l'hôpital de la ville? C'est un peu petit quand même, vu le... la population locale. Merde, j'ai une excité qui marche. Oh, un même, c'est un garçon, mais bah. J'ai plein de pigeons morts. Intermédiaire. Le niveau de crochetage. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a du raffut. Piolet violent. Ça se brise? Non. Tu restes par ici? Non, je crois pas. Et je me suis fait repérer par une excitée. Alors, la planque serait par là-bas. Attends, j'arrive plus à lire ma carte. Ouais. Ah, il y a des zombies spéciaux là. Oh là là, c'est vertigineux là, je vais me tuer. Comment je fais pour descendre en contrebas sans me tuer? Ah. Qui agresse qui? J'arrive pas à voir. Merde. Allez, pousse-toi de là, bouge. Comme ça on n'en parle plus. Oh là là. Merde, encore? C'est pas vrai, il y en a 650. Bah alors. Mais hey, j'ai attiré tous les excités de la ville là, du quartier. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Encore? Voilà, au revoir. Alors j'essaie de lire sur le radar qui est le gentil, qui est le méchant. Et il bouge trop là. Merde, je les ai cramés tous les deux. Ah merde. J'ai merdé, effectivement. Oh! Bien fait. Allez, on n'en parle plus. Au revoir. Oh non, j'ai encore excité 50 000. Putain, mais c'est pas possible. Le jour et la nuit arrivent en temps réel, car j'ai vraiment l'impression que c'est un scripté suivant l'avancement des missions. Non, non, il y a un rythme régulier, la Jed. Bonjour, Bastos. J'espère que... Oh, que tu vas bien.
Je suis en train de faire un carnage. Bon courage pour ton boulot. Je sais que tu vas pas tarder à prendre ton service, que je sache. Mon, les excités. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ah merde, je vais me faire exploser. Merdoum. Mon arme qui... Ah, faut que je change. Et voilà, trop tard. Je me suis fait coincer, tabasser. C'était ma destinée. Viens à toi, je vais te faire un bon prix. Ah. Alors, je sais pas où je suis, mais je suis bien content d'avoir un vendeur. Mmh. Mmh. Pff, pas mal de thunas. Je frôle les 100 000 dollars. Je pense que ce matin, je vais atteindre la barre symbolique des 100 000 dollars. Ah bah c'est la précédente planque que j'ai déverrouillée du coup. Attendez. Que je range le reste. Oui bah les pétards je vais les ranger là. Oh mais c'est buggé là aussi. Enfin bon, bref tant pis. Je suis plus à ça près. Ouais. Effectivement, c'est la première planque que j'ai libérée. Donc, je vais pouvoir recommencer. Non, là, c'est vrai que c'est... Que c'est pas évident. Ah oui, il faut que je répare mon arme, c'est vrai. Comme ça. Oh oh. Ah oui, mon objectif est là-bas. Là-bas, didadi, didadi, douda. Oh là là. Ah, oh. Pas mal. Voilà, ça aurait pu être moi hein. Sans déconner, ça aurait pu être moi. J'ai eu du bol que Crane se rattache à la façade alors que j'avais sous-estimé la longueur du saut. Allons bon, on a entendu une excité. Gna gna, faut pas pousser. Très fort. Très très fort ce zombar, il m'a bien eu. Pas celui-là. Merp. Attention, joli.
très très sport ce que je vais me faire. Mon objectif est toujours pas là. Qui c'est qui parle au... Il y a un mec qui parle au haut-parleur. Oh merde, il m'a vu. Je voulais lui briser la nuque, mais non. N'aidez-nous. Faites un don au Araniton. Oui, j'allais dire les chiens, lui. Merci. Cola café, que j'aime la cola café. J'ai quand même fou l'effet que tu fais. Boing. Boing. Merde, ça fait peur. Il m'a fait peur. Il y a des femmes et des enfants dans tes dents. Elle est moitié comment? Oui, bref, il manque de tout, quoi. Oh, ah, j'ai cru que c'était un bouquin à collectionner. Pidu! Pidu, pidu. Ah, bonjour monsieur. Vous avez perdu votre jambe. Oh non, excité. Oh là 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 là. Encore? Oh, encore. Il y a des femmes et des enfants. Des... Ah, c'est en haut que ça se passe là. Ah, tu m'étonnes que c'est sécurisé. Oh, le perchoir, toi. Attends, je vais regarder tout en haut, parce que. Vache. Oh non, ils m'ont mis un boss. Heureusement que j'ai les flingues. Hein. Oh non, il déconne là. Que je retourne en contrebas. Oh. Oui, d'ailleurs, j'ai pas la bonne arme. Hein? Ah, bizarre. Il y a de ces trucs. Oh merde. Ah, j'ai gagné l'abri. Cool. Bah, vu le merdier que j'ai foutu, tu m'étonnes. Il y a des femmes et des enfants. Oui, magnifique! Il passe au travers des planches. Il est extraordinaire, ce garçon. C'est un super héros. Il n'y a plus de doute. Ce n'est plus un homme. Allez. Ouais, barre-toi de là, vas-y. Bon, elle est spéciale, hein, la zone sécurisée. Tiens, c'est quoi ça? Il y a un appart à visiter.
Je crois que l'excité est juste derrière, mais trop tard. Ouais, bon, bref, un balcon, quoi. Oui, je sais, t'es très en forme, va mourir. Elle est où l'autre? Elle est là. Elle est plus là. Eh, il y a beaucoup d'excité là, je trouve. Ça devient dangereux par ici. Ça devient dangereux. Bon, bref. Baraque suivante. Oh, je retente ma... mon étrange jaune qui a pas fonctionné, là. Par là-bas, on va passer par les toits. Allez, toi, toi, mon toit. Toi, toi, mon toit, toi, toi, mon toit. Et voilà où ça l'a mené. Ah, les soldats de Rice. Ça pourrait être aussi bien moi à sa place. Alors t'as intérêt à couvrir mes arrières pour pas que ça arrive. Tu m'étonnes. Ah, il est encore en vie, le mec. Il est en bas. Et il est encore en vie. Non, je suis de l'autre côté, mesdames. Non, oui, non. Allez, saute de joie, ma grande. Sautez de joie. Allez. C'est terminé. C'est terminé. J'entends un autre excité qui me provoque visiblement. Oh la vache. Oui, bah voilà, c'est la fameuse terrasse. Ah bah, je vais recommencer, visiblement. Oh, joli. Double decapitazione. La violence. Bon, on y croit, je vais y arriver, là. Il m'a reprogrammé les zombies, non? Mais oui, il m'a reprogrammé les zombies. Allez, où est-ce qu'ils sont? Ne me dis pas que c'est le vomito qui avait bugué. Voilà. Il y avait le coup des toilettes. Mais les toilettes, c'est bon, il n'y avait rien dedans. Donc c'était le vomito qui était... Je sais pas. Ah bah là, avec moi, il va bien mourir là. Ah oui.
Il y avait eu un bug avec le vomito. Incroyable, mais vrai. Il avait pas aimé de la... précédemment de la manière dont je l'avais trucidé. Bon. Petit bug. Bon, bah c'est bien, ça me fait une planque de plus. Alors, la suivante. Tac. Vache. Merde. Bonjour. J'ai complètement merdé mon arrivée. Oh. Merde. Oh là. Alors lui il est dangereux. Même pas sûr, il est bien mort, j'espère. Voilà, au moins je le flambe parce que lui il était vraiment dangereux. Alors par là-bas. Là, je suis obligé de retourner au sol. Là, c'est obligé. Attention. Quand tu arrives, qu'est-ce qui vient de péter? On se calme. Ah tiens, étrange. Merde. Merde, non, je voulais pas aller là, je voulais aller en dessous. Oh merde. Oui. Mais. Oh, Crane, tu n'es pas logique. Tu n'es pas logique, mon garçon. Voilà, je me suis fait avoir. Si seulement j'étais parvenu à rentrer par la fenêtre. Je ne serai point arrivé. Il faut surtout pas rester dans la rue. Merdoum. Ah, on y retourne. Alors, que je déclenche la fin de la zone sécurisée, que j'ai accès à mon grappin. Merci. Alors, la suite se passe par là-bas. Hop là, blam. J'aime bien, on entend le grappin qui rembobine. Là, je peux pas tirer dans l'appart et me... Non, je peux pas. Merci. Note pour soi-même. Viser en bas. Oh la vache, il y a plein de quêtes secondaires. Je vois plein de points d'exclamation. Enfin, plein. Il y en a deux. Alors... Oh, c'est beau! Oh, la belle surprise! Avec des humains, vrai de vrai. Oh, le jardin secret. C'est le genre de configuration que j'adore. Il y a pas mal de trucs comme ça à Paris, pareil. Hein. J'aime bien l'idée de jardin secret sur les toits. Attends, ils sont où les mecs de Rice? Je les entends, je les ai sur le radar, mais je les ai pas. Ah, c'est eux. Oh, bah on va les faire sauter de joie. Je me sens obligé de les faire sauter de joie, eux.
Oh! Wouh! Faut qu'il participe aux Jeux Olympiques, le mec. Il dit rien. Oh, le fragile. Oh, t'y retournes, non, t'es trop drôle, toi. Allez, je vais me faire plaisir, je vais aller voir ce qu'il y avait dans la caisse. Ah bah tiens, autant aller dans les sacs. Ah merde, il est encore en vie, lui. Ah non, c'est abusé. Merde alors. Bah oui, j'ai bien vu qu'il était mort, le gars, mais... Mais il va se calmer d'excité. Ah, j'ai pété la rambarde. Merde. Attends, faut que je répare mon arme. Hop là, il n'y a plus personne. Eh ouais. Le pauvre survivant, je suis arrivé trop tard. Ce sont des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui arrivent. C'est horrible. Les bijoux volés. Les bijoux volés. Bof. Oh, le pauvre. J'aurais pu le sauver. Bah non. Pidu. Pidu, pidu, poilo. Mais c'est pas la planque, c'est ça qui m'intrigue. C'est un appart à part entière, mais c'est pas la planque. Ouais, ouais. Un bâton cruel. Le bâton cruel. Cruel. La 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 la. Oui, il est déjà 10 heures. C'est un scandale. Ouais, j'ai presque envie de dire la fenêtre, on aurait pu la... Enfin, les fenêtres, ouais, c'est vrai qu'il y en a plusieurs. Ouais. C'est pour ça que c'est pas une planque. Il y a trop de points d'entrée. C'est trop craignos. C'est pour ça qu'il faut visiter l'appart d'à côté. là-bas. Voilà, ce serait ici en fait. Oh! Mais il m'a poussé le salopard! L'autre, il m'a fait tomber! Trouduc! C'est ça. Incroyable mais vrai. Merde. Ah oui, parce que la fenêtre est dangereuse, ouais, comme elle est placée, ouais, effectivement. Ah. Ok. Ok. Une planque de plus en cadeau. Que je range mon bazar. Ouais, ça va. D'ailleurs, dans mes armes. Tiens. Ouais, que je me fabrique une super exorciste. Je vais me fabriquer une super arme.
Wow, trois emplacements. Eh ben, je vais mettre tous les trucs. Allez, hop. Je vais mettre tous les trucs dedans. Ouais. J'aurai un super couperet d'abattoir dans la mort qui tue. Et après, j'aurai le katana qui est déjà prêt. C'est beau, c'est char qui est beau. Je dis oui. Je dis oui. Oui, il y a des défis, mais plus tard les défis. Alors, il me reste plus qu'une planque, je crois, dans la vieille ville à déverrouiller. Oh la vache! Il y en a des choses à faire. C'est enivrant. Oh la vache! Ah oui, bah là, c'est à l'autre bout de la ville. C'est à l'autre bout de la ville. Je crois qu'on va aller au-delà du minaret, là. Bon, il joue, toi. Il y a pas de... Ah si, il y a un coffre. Il y a des... Si, il y a des trucs à fouiller. La 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 la. Merde, homme. Oh. J'arrête mes âneries, moi. Ah. Alors. Hop. Oh. Mais. N'importe quoi. Ah. Attends. Oh putain, j'en suis tombé à la renverse tant que j'ai eu peur quand j'ai vu le bestiau. Oh la vache. Attends. Je suis pas prêt de déambuler dans les rues, hein, parce que vu les zombies, j'ai intérêt à faire grandement le ménage avant de... Ah oui, le grappin est pas prêt. Oh, bah alors. Dommage. Le temps que je prépare mon arme, pour moi, ça aurait été cadeau. Oh là là. Oh là là. Oui, dit cool. Nouvelle zone de quarantaine. C'est par là-bas, visiblement. Donc, hop, on va y aller. Par-dessus le parc. Tu peux pas nous avoir tous. C'est surtout que c'est la configuration des lieux qui m'enquiquine en fait. Bon, je vais me le faire au corps à corps parce que là il me les brise. Allez, viens par ici que je te décapite, mon gars. Parce que. Oh là 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 là. Allez, suivant. Ah merde, j'ai gagné une super excité. Oh, j'ai gagné plein de super excité. Ça sent pas bon là. Là, ça sent pas bon du tout. C'est ça, sauter dans le vide. Laissez-moi la terrasse avant qu'ils arrivent. Allez, grouille. Mais saute, abruti.
Trop tard. Elle est déjà là. Oh. Ah, merci. Il s'est barré. Alors, quoi ? Comment est-ce possible ? Donc, la caisse de Rice. Non, je peux pas. Je peux pas y aller explosif parce que je vais encore attirer des... J'aime bien son cri. Hop là. Allez. L'idéal serait qu'il ne hurle pas. C'est raté. Alors c'est pratique hein, de faire le... L'arme qui fait dégueulis. Comme on peut le voir, ça... permet de gagner du temps. Bon, j'ai gagné le droit de me soigner. Toi, va mourir en silence. Ça y est. Eh ben, dis donc. Ça m'aura coûté cher, leur... leurs histoires à la noix. Oh non. Oh là 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 là. On m'en rajoute. Oh là là. Il y en a partout. Mais ça m'aide où ça? Oh merde, c'est une voie de circulation. Ça se demandait même si c'est par là que j'étais pas arrivé dans le... Oh. D'où il est sorti? Je dois être sur un point d'apparition des zombards là, parce que j'ai pas compris. Il est sorti de moi. J'ai accouché d'un zombie adulte, au secours. C'est horrible. Non, mais ça n'en finit jamais, quoi. Il y a... Ah, je l'ai rendue verte, la madame, vous avez vu. Bon. Le pire c'est que je m'éloigne de l'endroit où je veux aller, c'est ça qui est fort. Putain, mais y a tellement... Ah oui, c'est bien une rue, j'ai vu une pancarte de rue. Ah non, c'est un numéro. Numéro 42. Mais ils sont combien? Sympa la config. Hein. D'ailleurs, c'est le genre de truc qu'il faudra que je m'en inspire pour Minecraft. Mais c'est... Je vais me faire complètement acculer par le... par les zombies, moi. Oh là là. Quoi? Ah oui, j'allais dire. Elle se relève, je croyais qu'elle était décapitée. Donc sur le coup, j'y croyais plus. Allez, on n'en parle plus. Donc, j'en étais... Ah, du coup, d'ailleurs, il faudra peut-être que je récolte un petit peu de butin, parce que, vu le carnage, ce serait dommage de ne pas rentabiliser. Ah, ah oui, alors... Voilà, merci. Oh non... Allez, explose, toi. Le problème, c'est qu'il va en attirer d'autres. Ah bah. Oh! D'accord. Tout va bien. Eh oh! On va se calmer, oui. Alors là, je suis coincé.
Donc, à la base, je voulais ouvrir la caisse de Rice, si je peux. On va la tenter. Ah, pas mal. J'ai déjà déverrouillé la caisse. Je pense que ça va l'occuper un moment. Non. Non. Non, 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 non. Merde, il n'y a plus que la moitié du matos dedans. Oh, plus de main, plus de tête. Voilà, on n'en parle plus. Oh, oh, c'est pas vrai. Oh, ce jeu. Bon, je vais me barrer là parce que ça craint 200%. Allez, les toits de la ville, pitié. J'en peux plus, moi, d'être dans la... dans la rue à la merci des zombards. Alors... tchang, 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 tchang. Tchang, 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 tchang. Ouh. Il faut que j'aille là-haut. La 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 la. Oh, j'ai visé le clocher, je savais même pas. Alors, faut que oh, c'est un peu haut. Attention. Bobo. Bobo en torse. Aïe 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 aïe, je sais pas quoi dire, quoi faire. C'est l'enfer. Acculer, pousser quelqu'un, un animal dans un endroit où on ne peut plus reculer. Les chiens sont acculés par le sanglier. J'ai 23 succès sur 78. Merci d'entretenir mes statistiques, mon cher Twinsen. Voilà. Oh, il y a même un vendeur. Je dis oui. Et je dis... ah, c'est par ici. Sauf que j'ai merdé. Allez, baisse-toi. Voilà. Eh ben, dis donc. Attends. Il est où, le mec? Il a pas peur. Non, il est là. Mais il risque de se faire bouffer à n'importe quel moment. C'est ouvert aux quatre vents. C'est trop bizarre. Papa. Acculer un commerçant à la faillite. À lui placer quelqu'un dans une situation telle qu'il est contraint de supporter un état fâcheux, le réduire à faire quelque chose de pénible. Merci, Twinsen. Oui, c'est bien, il y a un peu de miam. Eh, il n'y avait pas une statuette là? Non? Non. De toute façon, il faudra que je revisite des lieux. J'aurai ma séquence recherche de statut dans les apparts kleptomanie mania. Là. La kleptomanie mania. La kleptomanie mania. J'ai pas compris où était localisé le vendeur. Attends. Mais il est où ce con? Il est en haut? Merde! Ouh, ça fait mal ça. Ouh, ça fait bobo ce qui vient de m'arriver. Non, il est en bas. Ouais, mais où en bas? Là? Ah, c'est à travers la grille! Mais oui, non, ça va, il est en sécurité le mec. Ok, ok, ok. Logique, logique, j'ai rien dit. Oh, 4 000 $ de matos. Oh là 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 là, c'est beau. Et bah ça y est, j'ai symboliquement, vous voyez, j'ai atteint les 100 000 $. Les 100 000 $. Chez la richesse, pardon, je suis un peu nerveux, monsieur. J'ai frappé votre fenêtre. Ma lampe, faut que je l'éteigne. Alors,
Oui, j'ai des points. Bon, attends, je vais le faire maintenant parce que... À force qu'il me le répète, ça finit par me bouffer. Allez, hop. C'est quoi? C'est la claque. Augmente la force et la portée de l'attaque enclume. Eh bah, ben, c'est parfait. C'est merveilleux. Ce beau drapeau. Oh, il y a quelque chose là. Là. Non, descends, Crane. La porte en bois, elle cache un truc. Ou pas. Ah, je suis déception. J'avais bon espoir d'avoir trouvé un truc important. Bon, bah, je rallume la lampe, là. Bah, c'est pas par là que j'étais. Bah, si. Ah, je suis revenu au même endroit. Bah, elle est bonne, celle-là. Allez, hop, j'avais pas pris la thune. La tounasse. J'avais pas pris la tounasse. Y'a rien au niveau des... Non. Y'a rien de rien. Alors, la dernière planque, elle est par là-bas. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh. Ah, good night. Il est magnifique, l'œuvre d'art. J'adore. Eh oh, l'excité, tu retombes là où t'étais. Oh! T'as choisi le mauvais côté. Ça va mal se terminer. Non, mais arrêtez. Oh là 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 là. Oh, mais sérieux. Oh, puis j'ai plus de kit de soins là. Je suis en train de me ruiner. Eh oh, calmos. Oh. Je m'agrippe aux zombies. J'entends des choses. Bonjour madame. Oh. Non. J'allais dire, elle essaie de se relever alors que je l'ai... Ah oui, elle essaye. Quelle horreur. Quelle horreur. Ah. Non, le zombie est pas mort. Merde. Oh, puis il y en a plein en dessous. Pari la la di du la 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 lou. Chibi dibi. Alors, tu as déjà 76 heures sur ce jeu. Ça va vite, hein. En seulement 265, 9 heures sur le jeu de camion. Quoi? Oui, enfin bref. C'est vrai que tout cumulé, ça va vite, hein, de faire mes muses tous les week-ends. Salle de bain, ça, non? Ah non, c'est le vestibule, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Oh là là, je vais me faire de la tounache! De la tounache! Oui, d'ailleurs, tiens, tu me fais penser à une scène au niveau des stats de Steam. Alors, ce qui est un peu cucul à praline, j'avais déjà expliqué, mais en fait, il cumule le temps, il enregistre le temps à partir du moment que le jeu est lancé. Sauf que un jeu est estimé, c'est magnifique,
Le jeu est estimé lancé, par exemple, quand tu flânes juste dans le menu. Or, j'ai des jeux comme, je crois, comme Project Zomboid à une époque. Je le laissais démarrer toute la semaine. Et en fait, j'y revenais quand je pouvais m'offrir des temps de pause entre deux, on va dire, deux actions à faire professionnellement en bossant. Et du coup, j'ai grappillé, je crois que j'aurais été à 1 000 000 d'heures pour Project Zomboid. Ce qui n'est pas vrai en soi. C'est juste que j'ai... Mais parfois, je sais même tourner la nuit, à l'époque où mon ordi tournait jour et nuit. Donc ça donne des stats complètement folles, quoi. Donc faut se méfier un peu de ce que les chiffres disent. Et c'est bon, ça se donne une idée du temps qu'on a consacré au jeu, quoi. Je prends un gros risque. Oh, magnifique. Parce que là, je loupais mon arrivée, je me tuais. Je me tuais. Merde, la nuit va arriver. Il est temps que j'arrive sur ma dernière planque. Mais attends, mais... Oh la vache, oui, elle est loin, la planque. Là, il y a un vendeur qui est pas très très loin. Je sais pas si je vais pouvoir le rejoindre. Oh, tant pis, je reverrai après. Mon souci est que la nuit va tomber, là. Bonjour, Nayone, j'espère que tu vas bien. Oh, dos droit, je suis déjà dos droit, bien calé dans mon siège. Par contre, boire, je veux bien. Pour ce qui est des sauvegardes, je les laisse en mode automatique. Ah. Le fleuve va me poser problème. Enfin, le canal. Hop là. Bam, 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 bam. C'est vicieux comme configuration. Ok. Oula. Pouf. Allez, tombe. On rigole. Va à la flotte. Oh, il est trop malin. Il est trop malin. C'est autant rigolo qu'il tombe dans le canal. Ah. Non, qu'est-ce que... Ah bon. Ah. Oh là là, il s'en passe des choses. Ah, il y a un câble là-bas. Oh, j'ai une excité qui m'a repéré. Ah bah, pas qu'une. Quelle horreur. Oh, non, mais arrêtez, j'en ai marre. Ils viennent tous me voir. Oh, oh bah là, ils sont 650. Stop. Oh, il y a un colosse en bas en plus. Oh là 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 là, vous souvenez la boss de la prison là? Tiens, je vais en exciter certains. Merde, où moi? Alors non, c'est pas toi que je voulais exciter. Merde! C'est pas l'arc que je voulais! Je voulais ma machette! Oh là 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 là! Ouais, tout est fait. Merci Nayonet. N'importe quoi! Bien sûr qu'il faut pas tirer au corps à corps sur le... Non, mon arme est foutue pour foutue, là. Attends, c'est celle-là qui est foutue pour foutue? Ouais, c'est celle-là, je vais la démonter. Ah bah, je vais prendre le katana. Bon, là, j'ai le... Alors, attends, où est ma cible? Parce que du coup, j'ai perdu mon... Puis la flotte est dans rien. Oui, il fallait que j'aille en face, c'est ça. Il fallait que j'aille en face. Donc j'avais fait ça. Papa, la météo de chiotte. Oh, pourquoi il y a un incendie là-bas?
L'arbre m'a fait flipper. J'ai cru que c'était un essaim de mouches ou d'abeilles. Oula. La cheminée. Oh, un coffre cadeau. Merde, j'ai une excité qui m'a repéré. Oh là 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 là. Mais calmez votre joie. Oh là. Vous êtes casse-bonbon. Oh, pas possible. Bon, mon coffre. Je trouve qu'il y en a trop des super excités en vieille ville. On a vraiment plus le, ni l'endroit ni le, un moment pour se poser. Dur. Dur, dur, dur. Ouais, bon. Une hachette. On va pas se plaindre. Ah, Nashelman qui joue à Conquest of Elysium 5. On souhaite bon jeu à Nashelman. Oh. Bonjour. Alors, qu'est-ce que tu dis? C'est pas vrai, je vais encore avoir des excités. Alors, attends, excuse-moi, je te lis après parce que... Ah, ça m'intrigue. Ah non, c'est pas la part que je cherchais. Bon, je le ferai un jour où il y aura un temps plus classe. Hein, parce que là, le temps pourri, c'est pas pour moi. Non, merci. Ah, c'est ça. D'accord, c'est la planque là. Non, j'avais pas besoin d'un bisou. D'ailleurs, dans ma planque, il va falloir que je me fasse des trousses de soins. Ah non, calmos. Ah! Merde. Oh non, c'est pas vrai. Me retrouve avec un super excité. Ils vont finir par me tuer. Non mais c'est pas grave, t'en fais pas, Nayane, t'en fais pas pour. Il m'a buté. Alors, je vais te lire. J'ai hâte d'une nouvelle séance de folle comme hier chez Christella, ouais. Avec moi et AJ en plus, sur les routes européennes. Ah oui, non, européennes. Je suis pas chaud. Je vais rester, je te dis tout de suite, hein, je vais rester sur les routes américaines. L'Europe, ça m'intéresse pas. Ah, c'est un défi. Wow. Donc, espoir, je vais finir par libérer ma zone rêvée. Ah, j'étais passé par là-bas. Ensuite par là-bas. Voilà, on retrouve la malle que j'avais vidée. J'étais passé par où? J'étais passé par là, je crois. Bon, il est vrai que marcher sur les câbles, ça fait un boucan d'enfer. C'était là, je crois.
Non. Ah, j'ai plus qu'à faire ça. Oh la vache. Deg. Oh merde. La bonne blague. C'était pour nous souhaiter la bienvenue. C'était pour nous souhaiter la bienvenue. Qu'est-ce qui se passe? Le raffut sur le toit. Oh là 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 là. Les zombies. Didoudi, didoudi. Bon, enfin, j'ai toutes les planques dans la ville. Alors, il va falloir que je me refasse des trousses de soins. Trousses de soins, c'est de la gaz et de l'alcool. Mais je pense que j'ai le stock sur moi, il faut juste que je fasse la recette. Où est-ce que ça doit être là-dedans. Kit de soins. Ah, je peux en faire 23, pas tant que ça. Et encore, c'est par paire, donc 2 fois 23. Mais, ah, je m'attendais à en avoir plus. Ah oui, c'est vrai que j'avais été dépouillé. Nuance, c'est normal. C'est vrai que j'avais été dépouillé, souvenez-vous de la scène... Dans le bidonville, l'autre partie d'Aran, le quartier pauvre, il y avait eu l'arène avec Rice, où il m'avait capturé, dépouillé, c'est scripté. Voilà pourquoi j'en ai si peu. Enfin, si peu. Mais là, pardon, hein, je fais tous les kits de soins parce que j'en ai tellement besoin régulièrement vu le carnage, les agressions qu'on subit toutes les 30 secondes. Ah là 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 là. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant que j'ai sécurisé, entre grosses guillemets, la vieille ville? Je serais tenté de faire les quêtes secondaires. Je suis pas pressé de faire la quête principale. Tant je savoure ce jeu que je veux faire durer le plaisir. C'est cool. La 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 la, je suis en joie. Zou bisou bah, qu'est-ce que c'est que ça? Comme tu dirais, Nayonet, c'est par où la fête? Pim 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 pim. Allez, visite spontanée d'appart. Oh, j'ai entendu. J'ai entendu une ancienne madame qui a perdu la tête. C'est moche, c'est moche. C'est moche. C'est la TV. Pam, 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 pam. Oh. Ah oui, d'accord. J'ai cru qu'ils avaient mal posé le cendrier, mais non, c'est un porte-serviette. Avec le sel et le poivre. Pau, 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 la, pau, 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 pau. Qu'est-ce que... Ah, des fortifications. Tiens, tiens, tiens. Oh, ça cache pas quelque chose ici. Ah, mais il y a un rapace en bas, là, on le voit. C'est... De jour, à mon avis, je serais tenté d'aller voir ce qu'il y a dans la flotte. Il doit y avoir des trucs. Oh, c'est beau, le minaret, là, ou la grande tour qui est éclairée en bleu. Ça fait beau. Ça fait superbe. Attends. Ça fait très mal. Parce que je viens de sauter deux étages. Mais.
Mais. Workshop? Non. Oh, c'était un atelier de bricolage. J'ai violemment descendu pour mieux remonter. Clear blue water. Très difficile. Oh, c'est un cône, un cône, un coffre en or. Mesdames et messieurs, il y a des œufs de Fabergé dedans. Le luxe ultime. C'est sardanapalesque. Alors, c'est vrai que c'est un adjectif qui est peu utilisé, usité, sardanapalesque. Ça fait référence à l'empereur Sardanapal, qui avait des richesses, mais alors à ne plus parvenir à en faire l'inventaire. Et en fait, sardanapalesque veut dire que quelque chose est d'un luxe exorbitant. Ça vous en met plein la vue et c'est d'une richesse ultime. Il n'y a pas mieux. Et j'aime beaucoup cet adjectif qui, je trouve, est pas beaucoup... Oh la vache, les rapaces. Qui est pas beaucoup utilisé dans la langue française. Mais bon, ça ne tient qu'à moi. Bonjour, Poupon, comment ça va? Tu as paumé tes clés de coffre-fort, tu pourrais m'aider? Oui, m'en parle pas. M'en parle pas. Mais il n'y a que des rapaces sur la côte, vous avez vu? Oh la vache! Ah, puis tranquille, ils se baignent dans l'eau. Baignade de nuit pour les rapaces. Pouah, ça fait flipper. Ça fait flipper. Bon, du coup, je fais l'idiot, mais j'ai pas de... Comment on appelle ça? J'ai pas d'objectif. Ah, il y aurait des esquiveurs tout proches. Sérieux? Ah, il y aurait des esquiveurs par là-bas, dis donc. Mais je vais pas descendre au sol, parce qu'il y a tellement de rapaces que je vais me faire zigouiller ici. Attends, j'éteins ma lampe torche parce qu'elle me sert plus à rien à cette distance. Peut-être qu'avec le flingue, ouais. De zoomer un peu, mais... bizarre. Non, je vais me faire repérer. J'ai pas les tripes d'aller me frotter au... Bonjour Christella, oh, j'espère que tu vas bien. Bonjour à vous toutes d'être là. Bonjour le routier sympa. De toute façon, je serai amené à tous les avoir, donc je déverrouille tout sans me poser de questions maintenant. Me fait plus de soucis. Oui, donc, objectif... Ah bah attends, il y a une caisse toute proche. Je vais pas bouder la caisse. Ah, j'exhibe fièrement mon katana. Je vais démembrer et décapiter joyeusement. Ça va être gore. Oh, mais il y a un boss, là. Elle est où, la dite caisse de Rice? Je la vois même pas. C'est ça? Non, c'est pas ça. Le boss, il est pas cool. Non, le flambé est pas une bonne idée. Ah, j'ai eu le boss, c'est bien. Le problème, c'est que les deux petites déflagrations, ça a tiré du monde. Ah, au pire, tu feras un direct normal si t'es pas livré aujourd'hui de ton Lego. Ah, tu m'étonnes, ouais. Ah merde, mais c'est un rapace en bas. Oh la vache. Attends, mais elle est où la caisse? Ah, c'est ça, la v'là. Bah, c'est là où il y avait le boss, en fait. Oh, le rapace de mes deux. Ah, il se barre.
ou pas. Merde, j'ai cru qu'il allait revenir sur le câble. Bon bah y a plus de rapace. Là je l'ai eu de toute beauté. C'était sa dernière nuit au rapace. Oh, mon, ça fait peur. Hein. Ça fait peur. Ayez peur. Mais je me trompe ou ils peuvent pas me joindre quand je suis sur le câble? J'ai l'impression qu'ils ont pas l'intelligence de venir me rejoindre sur le câble tendu. Bizarre. Bizarre. Mais ouais, je vais aller voir ce qu'il y a dans la caisse. Le problème, c'est que... faut que je me débarrasse des... attends. Électrique. Viens par ici que je t'électrise, madame. C'est ça qui est beau. Avec la porte en métal juste à côté, ça aide pas. Alors, il est toujours pas mort avec ça? Ou faut que je passe aux enflammés? Mais qu'est-ce qu'il me fait? Non, pas l'explosif, parce que ça va faire un tel boucan. Ah, il est pas content, l'œuf là. Allez, viens. Ah, bah j'y ai cru. J'y ai cru, je suis déçu. J'adore de voir les piles qui scintillent sur le katana. Ça fait trop flipper. Bon. Il a renoncé, c'est ça? J'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il a renoncé. Bon. S'il n'y a plus que lui, je peux y aller. Hop là! Hop! Belle réception. Bon, je peux pas faire mieux niveau discrétion, malheureusement. Voilà la fameuse caisse. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Parce que, étrangement, dans la vieille ville, vous aurez remarqué, il n'y a pas de largage. Contrairement au bidonville. On voit pas beaucoup d'aéronefs. À part au tout début, souvenez-vous, la vieille ville était survolée par des avions de chasse en formation. En triangle, là, il y en a. Enfin, en V, il y en avait 4. 5 même, d'ailleurs. Et maintenant, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'aéronefs qui nous survolent. Que signifie? Noté. J'ai l'impression que c'est le cœur d'un kiwi qui sert à faire la lettre A, je me trompe. Oui, c'est un kiwi, ça. Naté. C'est la supérette, c'est le primeur du coin. Oh, c'est une boisson qui vaut cher, 26 comparé à 1,50 les tomates. Oh, des framboises! Miam, j'adore manger des framboises. C'est des bonbons naturels délicieux, les framboises. Non, allez, je vais pas le faire exploser, parce que pour une fois qu'il y a un peu de calme dans ce quartier. Activer la clôture piégée. Ah bon? Essayons. Ah ouais! Oh oh. Bon, avec mon ânerie, il va y avoir du monde. Je vais retourner sur les toits, là. La 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 la. Boyoul! Adieu! Je suis l'homme au katana. L'excellent sabre japonais. C'est horrible à quel point je fais une confiance aveugle au katana. Pour les décapitations, il suffit de bien viser et pouc. C'est atroce.
C'est redoutablement efficace. Ah ! Un petit bug de modélisation. Messieurs, dames, il y a un truc, c'est Majax. Je vous présente le sablier. Le cendrier en lévitation. Il y a un dispositif électromagnétique secret. Ouais, katana, katakana, voilà les Dalton. Il y a un peu de ça. Ah oui, non, mais ce jeu, il est énorme. Ah oui, non, mais top 100 des jeux vidéo de manière intemporelle. Hein. Obligatoirement, direct. Il n'y a même pas à discuter. Non, 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 non. Dying Light. Un pur bijou. Papa, papa, yapa, yapo, yapa, yapipo. Le fligu, le fligu. Oui, j'ai toujours pas d'objectif. Je suis en train de flâner. Je vaque à mes occupations de manière complètement... Allez, on va aller voir le vendeur. Le vendeur from the boutique. Where is the shop? Oh! C'est des lombriques. Ils ont désigné des lombriques. C'est stylé. Ah, le verre est dans le fruit. Voilà ce que signifie. Oh oh. Oh, bah alors. Oh, il y en a du monde. Ah oui, c'est renversant. Hein. Allez. Oh merde. Ça y est, j'ai l'excité. Elle est où? Elle est là. Allez, hop, je vise bien la tête, on n'en parle plus. Je repense à la scène, vous savez, dans Tintin, le fils du diplomate chinois, là, qui devient fou. Lao Tzu a dit, pour trouver la voie, je dois te couper la tête. Bah, c'est exactement ça. Pour le coup, dans le geste. Oula! La rue est... Oh là là! Attention. Boing. La configuration n'est pas évidente du tout. Je vais monter sur la table. Et hop là! Da, body, 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 badou. Oui, très sympa au volant, mais dangereux. Ah ouais, vous avez... Non mais c'était génial, moi je vous écoutais en mode radio chez Christella hier. Et vous aviez mis une ambiance de fou furieux. Bon, il y en a certains, je dois avouer qu'au niveau des réglages son de Christella pour le Discord, je crois que FunFan, à un moment j'ai soupçonné sa présence, mais j'étais pas sûr. Il y avait une voix étouffée qui parlait en arrière-plan. Mais sinon, l'ambiance était complètement dingue, c'est bien. D'ailleurs, c'est le genre de session de jeu. Je sais pas qui pourrait s'en charger. Moi, je crois pas. Enfin, je sais pas si j'aurai le temps. C'est vraiment de l'enregistrer. Je crois que ça a duré 7 heures. Et l'ambiance était tellement folle que ça mériterait de la sauvegarder pour de bon, quoi. Que vous perdiez pas la bonne séance. Ouais, bon courage pour tes travaux, Poupon. En espérant que tu réceptionnes ton colis Lego. Bisous tout plein, bon week-end. Merci d'être passé, Poupon. A plus. Ah, faut que je me dérouille un peu, moi, ce matin. J'ai pas fait d'étirement. Je suis un peu... un peu rouillé. Attends, mais c'est une malle, ça. J'ai la malle au secret. La malle au trésor. Attendez, je vais vous lire. Je vois que vous m'interpellez. Directement dans le chat, bougez pas. La voix étouffée, c'est moi qui parlais comme un charretier. Ah, c'était toi, Nayonet? Bah, tu vois, moi, je me demande si c'était pas FunFan qui avait rejoint la discussion. J'ai eu un doute. Ah, c'est un hôtel, le machin là. Moi qui croyais que c'était un hôpital ou une clinique. D'accord, je viens d'apprendre un truc. Oh, c'est pas une zone de quarantaine, l'hôtel? Parce que c'est un beau bâtiment. Bizarre. Et le vendeur, il est où, le vendeur? Ah bah, j'ai zappé le vendeur. Je suis allé trop loin dans mes...
mes aventures là, mes pérégrinations. Il a surtout fouillé les sons hier, FunFan. Oui, non, mais FunFan, en fait, il le sait pas lui-même, mais c'est un véritable petit disque jockey dans l'âme. Wow! Bah alors, madame, qu'est-ce qui vous prend? Si, si. Oh, je l'ai tranché en deux. Ah! Et au niveau du bassin. Zizi. Le vendeur, il était par là-bas. Ah, trade. Ça y est, je vois son affiche. Bonjour, monsieur. Que j'agresse au grappin. Merde, comment je fais pour rejoindre le vendeur là? Je suis dans une mauvaise. Ah, je me laisse tomber là, peut-être. Ah, très bien. Ah, c'est rigolo, un bras zéro ici. C'est original. Le vendeur est par là-bas. Lila, lila, la. Hop là. Hop là. Il est où, le vendeur? Ah, il me parle. Il y a le vendeur qui me parle. Oui, de la bouffe. Comme je suis à moitié vie, là, ce serait bien que je miame. Il serait bien que je miame. La 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 la. Oh, ruban adhésif. Là, il y a une porte. Ah, monsieur le vendeur. Tiens, tiens. D'accord. Katana à vendre, tu m'étonnes. Flèche incendiaire. Blablabla. Jamais sans mes flèches. Ouais, 3 800 $. C'est énorme. Ah, attends. J'ai mal vu. Tissu d'esquiveur. Ah oui, non. Ah, d'accord. Je donnais un tissu d'esquiveur, il me cédait un fusil haute qualité, c'est ça? Non, c'est mon... Non, je comprends pas. Enfin bref, j'ai pas, de toute façon. Je peux pas acheter. Bah oui, objet nécessaire. Oui, bah, crotum. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais faire une quête secondaire? Là, je vois par exemple qu'il y a des points d'exclamation. Il y a une zone habitée, là. Je vais y aller, je vais... Oh! J'ai bousillé la rambarde, désolé. Attends, faut que je repasse sur le toit, mais... Avec une config... Voilà, la clim va m'aider. Merci la climatisation. Oh oh, j'ai une poursuivante. Ah, elle est encore là. Vilaine! Viens pas ici. Ah bah, elle est morte. Viens plus par ici, tu es mouru. Ah, c'est le câble. Je suis chez Bran. Oh là 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 là, j'ose même pas regarder dans la rue. Je suis sûr qu'il y a plein de trucs à y faire, mais pour nettoyer la zone, vas-y, quoi. La vie, elle était par là-bas. C'était cette espèce d'immeuble-là. Attention, le saut. Hop là. Faut que j'arrête d'abuser du grappin. Parce qu'en fait, je peux faire pas mal de manip. Quelle horreur. Efficace. Je peux faire pas mal de manip en grappin. Je veux dire sans le grappin. Et je ferais peut-être bien de l'économiser pour l'avoir disponible dans les situations d'urgence. Oh, il y a des trucs trop bizarres par ici. Il y a des trucs trop bizarres. Il y a eu visiblement un parachute. Quoi? Il s'est passé un truc avec un ennemi, là. J'ai rêvé ou j'ai... Elle est tombée dans le sol, là, madame. Qu'est-ce que c'est que ce parachutage? Oh! Il y a des bugs. Bon, bref.
Aïe, ça va, il s'est pas fait mal. Et puis c'est magnifique. Oh non, faut que j'en monte sur le kiosque. J'ai attiré des excités. Alors, je t'électrise, ma grande. Mais il bouge tellement que j'arrive pas à les... Oh, à les sabrer. Bravo, bonne esquive. Ah, elle, je l'ai bien sabré. Et lui aussi. Ouh, oui, avec une cinquantaine de kits de soins, je me sens mieux. Hein. Vu le boxon. Bon, alors... Oh, oh, venez mourir discrètement. Ah merde, il y a un mec à la bonbonne de gaz. Ça par contre, ça m'aide pas. Ah, les fourgons de la police, c'est vachement intéressant. Qu'est-ce que je fais? Quelle est la stratégie à adopter? Est-ce que je les flambe? Je sais pas. Comment je peux faire? Ça me plaît pas. Ma stratégie me plaît pas. Ouais, j'ai les incendiaires. Bon. Voilà. Je vous laisse retirer. Comment ça? Oui! Oh merde. Est-ce que tu m'entends? Eh oh! Oula! Aïe, 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 aïe! Non, je vais renoncer parce qu'ils sont trop nombreux. Mais... Merdoum. Attends. Est-ce que je peux marcher le long du... Voilà. Oh non, j'ai un aérophagique qui va faire plus. Voilà. Heureusement qu'il est resté derrière le bus. La 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 la. Ah, c'est dommage ça. Alors, ils sont où les copains? Oh, c'est étrangement calme ici. Ah, évidemment, fallait qu'il y ait un excité qui me rejoigne. Oh, plusieurs excités. Oh, mince. Oh, c'est où? Ah, ils sont là-haut. D'accord. Ouais, c'est très très haut. Attends. Ah, mais oui, je me souviens. Je me souviens. Oui, alors attends. Ok. Wow. Ah merde, boum. Oh. Vous allez voir qu'ils vont me faire réapparaître dans le minaret. J'aimerais bien. C'est ça. Bonjour tout le monde. Oh le gamin, comment tu t'appelles mon gars? Ozan. C'est toi Crane? Tu lui ressembles en tout cas. Ouais, c'est moi. Qu'est-ce que tu fais là? T'es tout seul? Mon père est mort il y a 2 jours, mais il m'a enseigné toutes les règles de survie nécessaires. Mon père a laissé quelque chose pour Crane. Si t'es vraiment Crane et que tu peux le prouver, je te le donnerai. Ouais, comment tu veux que je te prouve que je suis bien Crane? Sors et prouve-moi que t'es super rapide. Mon père m'a dit que le vrai Crane est le plus rapide du monde. Alors t'as intérêt à foncer. Je
Vous remarquerez aussi que j'ai plus d'intendant. C'est-à-dire que j'ai plus de gars qui m'offrent du matos. C'est fini. Le fait d'être pris par la main, là, c'est terminé. C'est maintenant, chacun se démerde. Alors, mon matos. Bonjour Fanfan, comment que ça va? Alors tu nous abandonnes ici Bastos, je laisse mon lurk pour la journée. Ah c'est gentil, ah oui c'est maintenant que tu pars bosser. Bah bon courage pour le boulot hein Bastos. Merci tout plein, c'est adorable. Bon courage pour le taf. Ah là là. En espérant que c'est le week-end, tu risques d'avoir du monde au niveau clientèle. Espérons que ça se passe bien. Et tout le bonheur que je te souhaite. Alors, comment ça va, Funfan? Oh Torota! Bonjour, Torota! Ah, oh, merci à vous d'être là. Eh ben. Ouais, ça va, c'est cool. Touk! Bye, Torota, ça va bien? La 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 la. Ah, tiens, d'ailleurs, je vais profiter de la. Pour couper en deux ma. Ma vidéo pour YouTube, parce que ça doit faire 3 heures déjà que je joue, je crois. Ah non, ça fait 2h10. Mais c'est une bonne quick, une bonne coupure. Comme je suis dans une planque.